Non. Allez, tu vois, là. Il faut faire ça, hein. Allez, tu dois le faire, dodo. Vas-y. Ça me canne un peu. Voilà. T'as un camion sur yo. Sous Kawana. Excusez-moi. Je suis en retard là. Excusez-moi, écoutez, c'est ton bière et puis... Mon sergent, il y a qu'à couper la yomoko. Il y a qu'à couper la yomoko. Oh, Ndembongo, il y a Kosomba Souda, Oyo. Hein? Il y a qu'à couper la vitesse qu'on est. Il y a qu'à couper la vitesse qu'on rompre un gars. Il y a qu'à couper la montagne, il y a qu'à couper la kima. Il y a qu'à couper la bimba. Il y a Olingi ku corrompre ngai kutu infraction wana izali suka na be infrakata nyoso kutu wana mukanda izali te wana okangemi kukanga mobele wana sosi ni skanda ikukite okole kate oyoki ngai ezili sekite je vous demande pardon j'étais embrouillé un peu tourmené par l'émission bon wana mutali bito je vous demande pardon excusez-moi je suis kamata bobele mikanda na efesa et puis okoke sa ye convocation dobi okoya na bouleva Ukuya lobi na boulevard pour y accouser. Il tombe au lieu de coquiner. Yangu kumbu na yonani. Kumbu na yonani. Olomi deux. Olomi deux. Deux. Olomi trois. C'est deux. Olomi deux. Deux. Oh. Kofi. Oh Kofi les sous. Non Kofi Olomi deux. Kaka mutumo kwaana. Kofi Olomi deux. Olomi trois. Deux. Olomi. Bon, au Kouya Lovina Boulevard, pour que la code canonique et tout le monde soit au final. Quand tu es là, tu es à côté. D'accord. Et j'allais zambater. D'accord. Tout ça, je suis à l'état. D'accord. Tu peux y aller? Si. Il y a une télévision, il y a une compagnie. Oh, accélération. Hein? Ah. Je suis à l'imbagé, je suis à l'accélération.
excuse en retard. Juste, attends. Je m'excuse, je suis désolé. J'ai eu un problème avec les gendarmes. Bien. Écoute, nous t'attendions ici pour faire la mise en place, mais tu arrives juste à temps, ça va. Mais tant mieux, mais et puis le fait que j'ai pensé à un jeune terrible, qui a beaucoup de talent, on va beaucoup en parler. Il a un spectacle. Il s'appelle comment? Son nom est très savoureux, très mielleux. Il s'appelle Gâteau. Bien, voilà, nous en parlerons au cours de l'émission. D'accord. Nous sommes très heureux de retrouver nos téléspectateurs pour leur présenter une émission de qualité, nous l'espérons. Tous les artistes qui forment la revue de cette émission font la une des journaux et occupent la meilleure place au Hit Parade. Nous remercions infiniment la direction générale de l'Hôtel Intercontinental qui a conçu et créé un cadre fantastique et qui nous l'a prêté pour nous servir de plateau pour cette émission Accélération. Pour la première, nous avons choisi pour vous et nous vous proposons ce soir Tchalamoana, Pépé Calé et comme tête d'affiche, Kofi Olomide. Ladies and gentlemen, we're very pleased to welcome King Jazz's very own Fat Man Free tonight. His name is Mr. Pepe Khalil. Citoyens et citoyennes, nous avons le plaisir de vous présenter ce soir l'éléphant de la Mélisa Iroise. Pepe Khalil va vous interpréter Moïbi, l'extrait de son... Kofi, beaucoup de mélancolie, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensualité, beaucoup d'émotion dans toutes tes chansons. Cela, tout le monde le dit, c'est très bon, mais est-ce que tu as un problème de cœur? Est-ce que tu as eu un chagrin d'amour? Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est certainement peut-être la toile de fond de mon âme. C'est peut-être comme ça que je suis au fond. Mais je pense quand même que... le fait que les chansons ne sont pas tristes, même s'il y a de la tristesse, c'est ça, c'est ce qui est essentiel. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ça, c'est un peu ma nature, je suis comme ça au fond, mais Dieu merci, on arrive à en rire, on arrive à danser sur ces chansons. Les chansons tristes n'apportent pas que de la tristesse. Bien sûr, mais Kofi Olomide, c'est le jeune qui a réussi. Qui a vraiment réussi, dont le succès est pratiquement sans précédent, parce que accepté non seulement par les jeunes, mais pratiquement par tout le monde. Est-ce que le succès ne t'a pas grisé un peu? Ce serait inintelligent pour moi de penser que j'ai réussi, que je suis arrivé. On n'est jamais arrivé. On est en perpétuel apprentissage. Moi, j'apprends chaque jour. Cela ne m'empêche pas de dire toute ma gratitude à tous les gens qui aiment bien mon travail. J'ai le devoir, je le sais très lourd, de ne pas les décevoir. De toutes les façons, il y a aussi le fait que tout le monde ne peut pas aimer Kofi Olomide. Il y a aussi les autres. Je leur dois du respect, je respecte leur point de vue, mais croyez-moi bien que je ne suis pas du tout brisé. Et surtout, je ne crois pas que je suis parvenu à quoi que ce soit. Mon chemin est devant moi. Encore ça.
La bière est bonne. Mais elle est bonne. Elle est... Ouais.